8 qui voudrait nous faire une belle opération. Et la famille de Ruccio sera là également avec Fabien. Et Joël, attention. Attention, voilà. Contact là-bas dès le départ. Ouais, Franck. Et c'est Jérôme Maclouf qui a lancé le frais. C'est Franck Dulieu qui a pris le meilleur devant Laurent Fouquet, la troisième place pour Sébastien Boucard. Attention, Joël Leblanc en perdition là-bas. Allez, ça tente de repartir, là tant bien que mal. Je vois Johnny Feuillade là-bas en perdition dans la boue. Le long du rail, il n'arrive pas à s'en sortir. Ce sont les conditions catastrophiques. Là, je peux vous dire qu'ils sont courageux, les pilotes. Hein. Là, il faut en vouloir. Et regardez, Franck Dulieu, je vous l'avais dit. Celui qui a construit lui-même son châssis et qui aura implanté son moteur, et bien il est là. Il fait la course en tête devant Laurent Fouquet. La fête est là, de la 30. La troisième place, attention, attention, le service car on est parti. La prochaine avance, tu prends du risque. Tu m'avances, attention, le coup. Avec Ramacoua dans la descente. C'est bon, c'est passé pour tout le monde sans appel. On a eu peur. On a eu crainte à peur. Joël Leblon un petit peu là dans la descente aussi. Et c'est Laurent Maclouin. Laurent Maclouin qui vient de déborder Sébastien Boucard au freinage dans la ligne droite. Alors on va vérifier hein, sur les châssis Peters, puisque je vous avoue que j'ai comme un doute avec la boue qui a recouvert toutes les monoplaces. Ça c'est sûr. Laurent Fouquet pour la deuxième place. Il s'agit d'un châssis Peters. Lequel est-ce, Guillaume Roy ou Virginia Bonhomme? C'est Laurent Maclouin, la troisième place est derrière pour Sébastien Boucard. La cinquième place pour Julien Roche. Celui qui est là, il est là, avec un châssis Peters ici. Il me semble bien que ce soit Virginia Bonhomme. Et dans le fond du circuit là-bas, j'apercevais Laurent Fouquet qui portait une attaque sur Franck Dulieu. Allez, on va attendre que ça revienne devant nous. Joël Leblanc à son tour. Franck Dulieu et Laurent Fouquet à la bagarre. La bagarre pour la première place dans un instant. Ils vont passer ici devant la tour. Fabien Ruccio qui prend tous les risques là-bas. Allez, Franck Dulieu et Laurent Fouquet à la bagarre. La troisième place pour notre ami Laurent Maclouin sans problème. Et attention Franck, puisque là vous allez revenir sur Joël Leblanc. Et Laurent Fouquet pourrait bien profiter de ce déplacement pour aller récupérer la première place. On va les surveiller là quand ils vont revenir devant nous. Ils sont pour l'instant dans le virage au couvert d'échappement. On agite les drapeaux bleus, voilà, pour montrer à Joël Leblanc qu'il est rattrapé par la tête de la course. Voilà peut-être Laurent Fouquet qui va repiquer à l'intérieur là sur Franck Dulieu, alors qu'il leur reste un tour à parcourir. Ils vont rentrer dans la dernière tour. Est-ce que cela va suffire à Laurent Fouquet qui s'est rapproché là dangereusement? Laurent Fouquet qui se rapproche dangereusement de Franck Dulieu. Alors qu'on a le châssis Peters, c'est là qui s'est immobilisé tout à fait en bas du circuit. Est toujours installé en troisième place. Regardez l'attaque de Laurent Fouquet là-bas en bas du circuit au freinage. Sur Franck Dulieu, il est en train de tout donner, Laurent. Joli Feuillade passe devant nous, le pilote d'Issoudun. Au volant du châssis Alpha Racing, le châssis fabriqué en République tchèque. Olivier Dufour, le pilote français, a été sacré champion d'Europe l'an passé sur cette même machine. Les derniers mètres, la dernière occasion peut-être pour Laurent Fouquet d'aller chercher Franck Dulieu. Et c'est bon, c'est dans la poche pour Franck Dulieu, Laurent Fouquet.